je vais vous parler de certains produits que je trouve nuls. Que je trouve nuls. Le premier produit que je trouve nul, il vient de chez ELF et c'est un stylo anti-rides, le ELF Wrinkle Refiner. Alors, c'est un stylo. Voilà, c'est un stylo. Il y a de la matière qui est partie en cacahuète. Voilà. C'est un stylo avec un embout silicone. Voilà. Et du coup, le produit est censé sortir par ce petit trou. Vous voyez ici, petit trou là? Vous ne voyez pas bien. Hein. Bon, voilà, il y a un petit trou. Et du coup, ici, vous avez une molette que vous tournez pour faire sortir le produit. J'ai dû l'utiliser une fois. Le produit a mis 10 piges à sortir et ensuite il a fait que de couler. Par contre, hyper efficace. Le produit est hyper efficace, par contre le packaging est complètement nul. Donc l'un mélangé avec l'autre, le produit vous l'utilisez pas et hop, de l'argent mis à la poubelle. Super. Deux autres produits qui viennent de chez Sienne. Donc lui, il est invisible. C'est le Sienne Volume Mascara Extreme Lashes. Lashes, c'est celui de l'année dernière. Vous voyez, je l'ai utilisé et même pour les jours où vous faites rien, il est invisible. Donc du coup, bah, puis en plus, depuis le temps, il a dû sécher. Un autre produit que celui-ci, il est pas trop mal. Par contre, ce qui fait que je le déteste, c'est que c'est censé être un waterproof. Mais il fait quand même, il me laisse encore les yeux de panda. Il marque le dessous de mes yeux. Et ça, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas du tout. Alors, est-ce que je le mets de côté pour quelqu'un qui a une peau sèche et qui aime les waterproof? Pourquoi pas? Parce que du coup, il fait pas des cils dégueulasses. C'est juste que pour moi, il est nul parce qu'il n'a pas son effet waterproof. C'est tout. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'avoir, dites-le moi, sinon je le file à ma soeur. Voilà. Un autre produit qui est complètement nul et qui sert à rien, c'est le stylo Essence, le lip liner transparent. Lui, je ne l'ai même pas glissé dans des swaps vide tiroir, tellement que je peux pas. Je peux pas l'offrir à quelqu'un si moi je ne peux, si moi je ne l'aime pas. C'est pas possible. Si je ne, je veux pas dire que j'ai, comment dire, que j'ai le monopole de la vie ou de la décision. Ce que je veux dire, c'est que il sert à rien. Vous le mettez en contour de lèvres pour, c'est fait pour stopper le rouge à lèvres liquide. Et stop. Et ça, comme si vous mettez rien en fait, ça même pas, c'est même pas du baume à lèvres, ça fait rien du tout quoi. Ça fait juste, ça t'arrache à lèvres quand tu le mets, et il est rigide. C'est un contour des lèvres. Crayon à lèvres transparent s'utilise avec toutes les couleurs. 36 mois. Ben, ça fait moins de 36 mois et même ne serait-ce que l'utiliser en base au pire. Mais vous pouvez pas, il est trop dur. C'est trop dur. Donc, enfin, en plus, moi, j'ai aussi la peau fragile, la peau sensible et tout ça. Du coup, moi, ça m'arrache les lèvres, ça me les gerce. Voilà. Donc, du coup, ça, pour moi, hyper nul. J'ai pris la décision de ne pas vous les mettre dans les swaps vide tiroir. Maintenant, si vous voulez l'essayer, libre à vous. Donc, ça aussi, je le mets de côté si jamais ça intéresse quelqu'un. Sinon, poubelle, même pas je file à ma soeur. Un autre produit de chez Kiko qui m'a déçu, c'est le lip scrub, donc l'exfoliant à lèvres. Il sent super bon, mais il s'est rigidifié. On dit liquifié, donc là c'est rigidifié. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Là, quand je le frotte là-dessus, il y a des morceaux carrément qui s'enlèvent. Qui se défont. Donc à la chaleur de la peau, ça arrive à se fondre, mais alors sur les lèvres, c'est d'un compliqué.
Puis du coup, quand il durcit, c'est moins agréable. Il a été facile à utiliser au début, puis après, il s'est complètement solidifié. Et on voit les petits grains. Je sais pas si vous les voyez. Non, ici, j'ai plein de petits grains. Voilà, j'ai plein de petits grains. L'odeur est super, hein. L'odeur est douce et elle est agréable et fruitée en même temps. Mais ça reste un produit qui, au bout de quelques temps, est inutilisable. Et au pire, s'il faut que je le tienne, je sais pas combien de temps dans ma main pour le réchauffer, limite, faut que je le pose l'hiver sur le radiateur, quoi. Enfin, je sais pas. C'est dommage parce que j'ai mis des sous dans quelque chose que j'ai trouvé astucieux et au final, pas terrible. Donc, next. Et une brosse qui vient de chez ma copine Fabienne. Elle n'a pas de marque. C'est une brosse exfoliante pour le visage. Mais la brosse est trop rigide. Elle m'arrache la peau. Et oui, c'est ça, les peaux sensibles. Donc quand je me l'utilise, si vous voulez, j'ai le dessus des joues qui commence à picoter et à devenir rouge et tout. Donc là, j'ai décidé que c'est fini. C'est fini. Donc, est-ce que celle-ci aussi, si ça vous intéresse, moi, c'est que ma peau est trop fragile. Du coup, ben, c'est pas un produit pour moi. C'est pour ça que je le mets dans les produits nuls. Parce que du coup, c'est pas pour tout type de peau. Voilà, c'est franchement pour les peaux normales qui ne souffrent pas de rougeur, qui ne. Voilà, c'est pour les peaux rigides, quoi, celles qui ne souffrent pas à toute épreuve. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un de l'essayer en swap vide tiroir, moi, il n'y a pas de problème. Ces trois produits, je veux bien les faire essayer, voire celui-ci. Éventuellement, si ça vous intéresse. Voilà, moi, c'est que j'ai la peau de. Mon enveloppe charnelle qui est trop fine et dès que je me mets quelque chose d'irritant ou dès que je me mets quelque chose qui ne lui convient pas, elle explose. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour un autre genre de vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.